L'ancienne présidente sud-coréenne condamnée en appel à 25 ans de prison. Alors, s'il faisait pareil en France, je pense qu'il y aurait beaucoup de politiques en prison. Séoul, Corée du Sud. L'ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a été condamnée vendredi en appel à 25 ans de prison pour corruption. La haute cour de Séoul a durci la peine de Madame Park d'un an après sa condamnation à 24 ans d'emprisonnement en première instance. Madame Park a également été condamnée à une amende de 20 milliards de won, donc ça fait 18 millions de dollars US, supérieure à sa première sentence, une amende de 18 milliards de won, 16 millions de dollars. Donc ils l'ont punie encore plus parce qu'elle a osé faire appel, j'ai l'impression. La cour d'appel a en effet augmenté la prise en compte des pots-de-vin du groupe Samsung. Ces pots-de-vin ont été versés en échange du soutien de la présidente dans la passation de pouvoir du plus grand conglomérat familial du pays, l'héritier cherchant à remplacer son père depuis longtemps hospitalisé. À plus.